Non. Je suis pas d'accord, le corps il était pas là. Hein. C'est une Iridienne. Une mort sauvera des millions de vies. Ouais. Non. Bah si, si elle crève. Elle est où? Oh, ça j'ai débloqué. Mal, ça. J'ai débloqué une tête de Gladiatrix. Putain. Bon, par contre, je vais vous aider parce que. Faut sauver le soldat mental. Hein. Arrête de bouger, Cross. Attends, t'inquiète, je l'ai. Ah. Je l'ai. Comment ouais. Tu veux que je te sauve si tu bouges tout le temps? Parce que je veux me sauver moi-même. C'est bouge trop. Eh ouais. Il fallait me le laisser. Je te l'ai laissé, hein, je l'ai pas touché. Ah tu l'as tué. Les gros magiciens. Merde. L'éternel cheval. Ouais bon. Crève ça non. C'est quoi ces ennemis des éternels? Oui je vais survivre. Voilà. Ouhou. Ah elle t'envoie des ondes de choc. Ah ça se voit qu'elle est cosse. Je vais te sauver. Ah même pas par contre. Hop là. Elle envoie des vagues, c'est assez bizarre. Elle se focus sur mon clone alors que je suis invisible. Oh les connes. Oh tu es très stupide. En fait, elle s'appelle Tungstina. Quel nom de merde. Ouais, Tungstina. Mais elle est vachement grande en fait. Elle fait 2m10. Grave, mais tu te rends compte, elle est plus grande que Willem. Alors, ça fait quoi de trouver une femme plus grande que toi? C'est vachement bizarre. Ah, mais genre, Jack il prend que dalle. Ouais, je l'ai fini à la main. Allez, combo, combo. Allez, à la main, les gars, à la main. Merde. Mais vous êtes con. C'est pas grave, on s'en fout. Bon, de toute façon, elle est morte. À la main, les gars. Allez. Ouais. Attends un peu. J'en ai pas fini avec elle. Peu importe ce qui arrive aujourd'hui, ta chute se prépare. Ouais, super. Où est l'arche? Dissimulée sous un amas de crasse chimique. J'ai vu ce qu'elle renferme. Tu ne peux pas. Tu as vu l'intérieur? L'arche est ouverte? Tu dois faire demi-tour. La puissance contenue dans l'arche va déclencher une réaction en chaîne qui... Oh merde. Donc l'arche est déjà ouverte? Cool. Bon, maintenant on va s'occuper du noyau du laser. Voilà comment faire taire sa femme. Et c'est quoi ça? Ah. Ah non, ça mode pour moi. Attends, j'avais un... C'est pour Ninja... Tiens, c'est pour Galatrice. Tiens, attends, déjà j'ai ton mode là. Ensuite j'ai ça pour toi. Ça c'est pour moi. Le truc, le boss l'a looté, c'est pour Gladiatrice. Non. Le truc doré, non? Il n'y a pas marqué Gladiatrice? Non. Par contre, je t'ai droppé ces deux trucs. Tiens, là, il y a une tête pour toi. Par contre, tiens, ça c'est à toi, Willem. Quoi? Pour moi? C'est un cadeau? C'est toi le churigas, je me souviens. Ouais, c'est nul. Déjà, je vais libérer un peu de place. Donc, tout ce merdier. Ah! Tu sais qu'on est toujours en défi, hein? Quoi? Oh. Sérieux? Attends, y a pas de bouclier, hein? Non, mais y avait un moment, je suis sorti du bouclier. Allez, go, go, go! Allez! Ah, pardon, c'est par là. Excusez-moi. Oups. Hello! Armurerie d'urgence! Sérieux? C'est-à-dire qu'il y a plein de trucs pour se stuffer? Surtout des munitions, je dirais. Il y a de la thune. Ouais. Aussi. Oh non, il y a plein de trucs, regarde! Oh, un lance-patate! Un lance-patate, c'est pour moi. Trop tard, je l'ai pris. Rends-moi ça. Un sniper. Ouais. Hé, hey, mon sniper! Donne-moi mon lance-roquette. Échange de bons procédés. Oh merde. T'as le prix. Échange de bons procédés.
Tu choisis. Ah oui, je te le donne, attends. Je vais dire ce qui est intéressant. Ouais, pas intéressant. Dis donc. Si vous avez des munitions de sniper, je dis pas non. Hein. Bah, j'utilise pas de sniper. Mais... Alors. Lance-roquette à 1683, pas intéressant. Nul. Ok. Y'a un peu de santé par là. Oh, attends, il y a des trucs sympas ici. Il y a combien de lance-roquettes que t'as chopé? Bidon, il me semble, j'ai moyen. À 925x3. Ça me fait du 2700 et quelques, ça peut être intéressant. Bah, fais péter. Attends, qu'est-ce qu'on a là? Pistolet, ah, celui-là, c'est pas mal. Et... Moi, je prends les munitions, quand même, j'ai gaspillé cher. Hop. Et là, 1683, on va le prendre. Oui. Bon. C'est où? Là, là. Ici. Bon, on y go? Attends, il doit me donner quelque chose. Ah. Alors, je crois que je t'ai piqué ça. Je t'ai piqué quoi d'autre? Pendant ce temps, nous attendons encore. Hein. Je t'ai piqué ça. Toi, t'en fais ce que tu veux. Et bah, c'est tout. Ok. Ah merde! Qu'est-ce que ça fait? Je sais pas. Tu l'as pas pris? Bah, c'est quoi, regarde? On va aller plus vite. Attends, je vais choper au vol. Ouais! Passe-moi les miens. Non. En fait, je sais pas si le mien n'est pas mieux en fait. Ah, mais ils sont à combien les tiens? Le mien il est à 319. Ah, dans celui-ci il est à 338. Ah, bah il est mieux alors, vas-y, balance. Ouais, j'ai déjà balancé un autre à 249, tu pourras le vendre. Et go go go! Personne prend le reste. Faites le saut de l'ange, les ans. Les ans. Ah! Ouais. Tu pétais dessus. Enfin, ça va de soi, mais je précise quand même. Le dégueulasse. Oh putain! Ah oui, d'accord, c'est ça le canon laser. Vous allez prendre ça, passer sur le côté. Ah merde, je sais plus comment on fait pour le rejoindre après. Bah, ah si, je crois que c'est par là. Là. Ouvre-toi sa porte, c'est bien. Et voilà, c'est ici que la magie opère. Wow. Une petite minute, cette œil me dit quelque chose. C'est ce qui permet à l'œil d'Hélios de fonctionner. C'est le noyau de toute l'arme. Comment cette chose peut bien générer autant de puissance? Viens ici, je vais te montrer. En reprenant le contrôle de ce bijou, on pourrait anéantir des camps de bandits entiers sans aucun dommage collatéral. Oh, ça fait rêver, pas vrai? Ouais, ça a l'air génial. Et du coup, et où, Jack? Il est monté. Tu es là-dedans? Le vagin de ta mère. Oh merde. L'œil d'Hélios. Enfin, ce serait plutôt de l'œil destructeur. La créature qui est sortie de l'arche. Mais je l'ai connecté à mon laser pour démultiplier sa puissance. Parce que je le vois bien. L'Oréal. Transformer l'œil destructeur en arme. Ça en était déjà une comme tous les vestiges éridiens. J'ai juste compris comment on pouvait l'utiliser. Je t'avais dit de faire des doigts. Bon, bref, comment on désactive ce truc? Avec prudence. Même sans l'œil bizarre, ce type de réacteur est hautement explosif. Tu l'alimentes avec un truc qui amplifie sa puissance, pas vrai? Ah, ce qui reste une fois que l'iridium est raffiné, oui. Les scientifiques appellent ça du slag. Très bien. Fais exactement ce que je te dis et tout ira bien. Bascule trois des séquenceurs de flux sur leur position principale et inverse le différentiel d'alimentation. Appuie sur le bidule jusqu'à ce que tu vois du violet, et puis rappuie sur le bidule. Bien sûr,
Je le savais. Allez, vas-y. Tu es bien sûr de toi ? Moi, je m'occupe du troisième générateur. Bon. Faut que tu rappuies après, Vandal. Là-bas, faut que tu rappuies. Ouais, moi, j'ai activé le mien. Pour insérer. Où cet œil vient de pousser un râle ? Maxi, je donne juste à l'œil un tout petit peu de slag à la fois. T'es vraiment sûr que l'œil ne sentira rien ? Fais-moi confiance, trésor. Le milieu maintenant. Vas-y. Là, je suis déjà en haut, moi. Y'en a un à côté. Yep. Voilà, voilà. Moxie, l'œil est tout fou. L'œil est tout fou. Laser. On doit en réinjecter le plus possible dans l'œil. En augmentant la puissance, le système de sécurité se mettra en marche et on pourra tout couper. L'œil n'appréciera pas trop, mais il survivra à trésor. Bien joué. Gros héros. T'inquiète pas, je reviens. Ah moi ça va. En fait, tant que tu sautes pas, ça va. Attention. Instabilité spatio-temporelle détectée. Mode défensif activé. Tu vois ? Qu'est-ce que je disais ? Le système de sécurité va nous permettre de rebooter le laser. Et il sera à toi. Stop ! Pas touche à ce bouton ! Y'a un problème ? Si l'œil recommence à s'agiter pendant le reboot, j'ai vraiment pas envie d'être dans les parages. Avec les systèmes de sécurité, il peut rien faire d'autre que se couper complètement. Chacun son avis. Très bien, on retourne au centre de contrôle. Maintenant que Zarpeding est morte, on va pouvoir rebooter le laser à distance depuis là-bas. Bon, 13 ans et demi. Bon, mais du coup, on fait pas sur place. Nope. Lunar Lochin Station. Est-ce que quand tu lances un feu d'artifice, tu te mets sur la plateforme avec le feu d'artifice ? Bien évidemment. On a tué la vilaine, on s'apprête à sauver la lune, et apparemment, l'arche qui contient tout un tas de super trucs extraterrestres est déjà ouverte. Coupe le laser, et on pourra passer aux choses sérieuses. Trouver l'arche. Bon, je t'en prie, à toi l'honneur. Oh, les no-jokes, les anti-jokes, c'est la même chose. Et où ? Là. Hashtag trahison. Reboot dans 5, 4, 3, 2, extinction annulée. Configuration énergétique non valide. Ah oh, super, quoi encore ? Jack, je suis désolé. Pas moi. Attention, anomalie. Cassez-vous, ça va péter. Bon travail tout le monde. Mais Maxi, mais qu'est-ce que tu fabriques ? Je te trahis, je te tire dessus. Deux choses que j'aurais déjà dû faire il y a bien longtemps. Espèce de psychopathe assoiffé de pouvoir. Comment ça, Moxie ? Mais comment t'as pu ? Je t'ai bien observé, Jack. Et derrière ce sourire, ce complexe du héros, il y a un truc qui cloche chez toi. Si tu quittes Elios sans vie, beaucoup de gens bien finiront par le regretter un jour. Non, 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 non ! Mais merde, je te faisais ouais. Confiance, Moxie ! Tu sais ce que tu viens faire ? Tu nous as tous condamnés à mort ! Les gars, je vous aimais bien. Adieu. Même pas peur. Ah, pas ça. C'est chiant. L'œil ! Il était unique ! Tout ce que j'aurais pu faire avec ça ! Saleté de menteur ! Saleté de l'âme ! Ils ne valent pas mieux que des bandits ! Ouh ! Et il a réussi à péter la vitre ! Oh putain, le héros ! Même les bains ! Bon, bah du coup, on va ramener la mission. On se vengera de plus tard. Et pour l'instant, il faut qu'on fasse cet arche pour nous. Ces crétins veulent probablement détruire tous ces monstres. Zarpeydon a parlé d'un amas de crasse chimique. Elle voulait peut-être parler de l'ancienne raffinerie de Dalle à Bacaburk. Retourne sur la surface de la Lune et va voir. Il y aura bien un truc là-bas qui nous mettra sur la piste de l'arche. Qu'est-ce qui se passe là-haut, John ? Les analyses qu'on...
Fermez-la un peu, Taciteur. Fermez-la. Mon ex et ses deux meilleures copines viennent juste d'essayer de me tuer. Et s'il y a bien un truc dont je n'ai pas besoin, c'est de vos jérémiades, de vieux débiles à la con. Si je reçois un seul message qui dit autre chose que « Beau travail, Jack » ou « Je vous envoie un gros tas de fric », je passe les mains à travers mon appareil écho et je vous arrache les yeux avec mes doigts. Est-ce que c'est compris? Au revoir, John. Au revoir. Merci de votre appel. Ça, c'est dit. Wilhelm, voilà. LP, c'est Pandore. Qu'est-ce que tu ressens? De la colère, de la douleur. Il y a encore beaucoup de gens qui vont mourir avant que ce soit terminé. Je vais le faire. Après avoir survécu à votre tentative d'assassinat, on a rejoint la raffinerie de Zarpedon pour chercher l'Arche. Pourquoi? Vous aviez déjà sauvé la Lune. Pourquoi pas en rester là? On m'avait embauché pour trouver une Arche. Je termine toujours le travail. Et puis Lilith avait essayé de me tuer. Si elle voulait l'Arche, j'allais l'en empêcher. Oui, désolée d'avoir essayé de te tuer. T'as pas l'air. Alors comme ça, Moxie a essayé de tuer Jack. Elle m'a jamais raconté. Elle est complexe, comme un puzzle avec beaucoup de nichons. J'adore cette phrase. Moxie cache souvent bien son jeu. Je sais que c'est surprenant quand on voit son décolleté. Oh merde. Bon, il est temps de retourner sur la lune. Attends, jusqu'à deux secondes, je vérifie quelque chose. Ah bah ça fait une petite quarantaine de minutes, bah ça peut faire une bonne vidéo là. Ouais. Deux vidéos de 20 minutes. Ouais, non, plutôt de 40. Enfin ouais, c'est vrai que on coupera, quoi qu'on peut continuer encore un petit peu, mais pas trop. Non, je pense qu'on va arrêter au moins devant la zone. Parce qu'il y a quand même une zone à traverser aussi. Bah, autant la fin en plus, c'est qu'il y a beaucoup de combats, c'est pas moins intéressant. Plus du rush aussi. Bah au moins on va... Le grabat. Ah oui, le véhicule. De quoi? Je prends mon temps. Ah, vous êtes déjà sur votre véhicule là? Je suis toujours dans le non, on s'est fait TP. Quoi? Parce que je suis obligé d'attendre que madame prend son véhicule pour que je prenne le mien en fait. Alors, on va faire la queue. Je peux bien prendre comme couleur. Allez mamie, dépêche-toi. Un peu de respect, jeune homme. Hein, tu t'aimes mon temps? Hein? Voilà. Salut. Salut. Là, voilà mon véhicule, espèce de salaud. Ah, j'ai réussi à m'en faire dupliquer, hein. Voilà. Oh putain, j'ai plus l'habitude. Ah oui. Banzai. Oh, ça glisse un peu, mais... Les revoilà. Ah, ah oui, la quête à la con. Ah ouais, on l'avait traumatisé à la course. Ouais. Il était pas dur à battre. Je crois que c'est pas par là en fait. Non, c'est pas du tout par là. Non. Faites place. Attends, je m'en occupe. Ça peut pas passer. Ah non, ça peut pas passer. Mais en fait, bouge ton véhicule. Bah quoi, il est bien mon véhicule. Ah, il bloque en fait. Bah regarde, hein. Je ferais chier madame. Ah, c'est juste là. Je croyais qu'il y avait un peu plus de zone à faire. Mais attends, Lord, comment t'as fait pour... Ah, le gros bug. Moi je le vois assis comme si c'était sur le véhicule. Et genre par terre. D'accord. Il est vite. Ah, je peux prendre deux screens. Je sais pas si ça a marché. Vos raccourcis sur YouTube. Alors, voyons. Tu vas se passer. Tu cherches un moyen d'entrer dans l'arche. On y va. On récupère ce qu'il y a dedans. Et on s'en sert pour tuer Lilith, Roland et tous ces salopards. Je trouve ce plan ignoble, mais j'accepte de l'appliquer sans réfléchir. Parce que je suis con. Voilà. Alors, c'est dire que t'essayais d'atteindre le centre de la lune. Bon sang, c'est ouf. Si jamais tu vois des trucs. Oh, Pickles, le beau gosse. Ok. Et fais gaffe à toi. L'homme singe, le filon manquant. Exactement.
Bon, bah du coup, vu que la zone est grande, elle est quand même assez grande cette zone, je crois, de mémoire, non? Oui, ouais, elle est méchamment grande. Voilà, donc on prend pas la rocher, donc bon, je propose qu'on fasse une pause ici. Vous commencez à vous battre en fond, là. Regardez-les. Bon, du coup, on peut s'arrêter comme ça, c'est original, ouais, devant le champ de bataille. Je me bats contre des Marine Le Pen. Non, c'est contre des Marine Le Pen. Bon, du coup, nous, on va faire une petite pause, voir si on va vous voulez qu'on enchaîne tout de suite. On va pas dire, on passe le suspense. Moi, je suis d'accord pour une petite pause. On fait la pause, mais après, est-ce qu'on va reprendre ça, le suspense? Ah ouais. Ah ouais. Je savais pas. Donc, pause, et peut-être qu'on reviendra pas. Enfin, en tout cas pour vous qui regardez les vidéos, vous aurez les vidéos plus tard et pas directement, parce que... Bah oui. Du coup, faut y préparer, voilà. Mais bon, de toute façon... Ninja, au revoir. Voilà, Ninja, au revoir, tout ce que vous voulez, et puis on en a encore pour, je dirais, 3-4 vidéos. Non, même plus. Non, quand même pas. J'aurais 2-3. 2-3, ouais. 2-3 de 25-30 minutes. Bon, enfin, en tout cas, là, on est vraiment à la fin du jeu, puisqu'on est au chapitre 11, et le dernier, c'est le 12. Alors, regardez-les se battre comme ils s'amusent. Ah, bah, il est mort. Voilà. Non, moi je meurs jamais. J'arrive comme un héros, Vandal. Ouais, bien sûr. Ah, je quitte. Il vient voler mon frag. Et moi, comme je suis un gros flemmard, je reste dans l'oxygène. Voilà. Bon, c'est quand vous l'éliminez là? Que ça fera une fin classe. Bah, déjà, on l'a congelé, c'est bien. Bon. Vas-y, on le finit à la main. Voilà. Voilà. Bon allez, du coup, on vous dit à plus et à la prochaine. Au revoir. À plus et à la prochaine.